Allez Fabrizio, un petit tour. Volontiers. Expérience mentale. Allez. Fabrizio, c'est pas un des meilleurs ballonistes. C'est ça, c'est ça. C'est ça. J'ai la chance de l'avoir ici. Ce n'est pas moi qui ai balancé le ballon aux États-Unis. Hein. Ce n'est ni Arthur Tivoli, ni moi. Oui, c'est ça, ni Willow. Ni Willow. Allez, on va faire une petite expérience. J'ai un jeu de cartes, 52 cartes, un petit post-it. Je vais te demander. Alors, normalement, tu le notes parce que tu es censé le montrer à tout le monde. Donc, bien sûr, là, on aurait pu le faire comme ça, mais c'est pour que ta pensée ne change pas. Donc, je vais te demander d'écrire sur le petit post-it. Alors, tu vas imaginer une personne, alors vivante ou décédée, peu importe, mais une personne quand même assez importante. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une personne mais que tu n'as jamais côtoyé mais qui est importante parce que, je sais pas moi, ses idées, ses convictions sont bonnes, moi, bref, peu importe. Et tu noteras en lettres majuscules de façon à ce que tu puisses bien montrer à la caméra le prénom. En aucun cas, moi je veux voir. Une fois que tu as noté, bien évidemment, tu prends le papier, tu le déchires, tu mets dans ta poche, tu fais ce que tu veux, mais au moins comme ça ta pensée sera notée et on n'y reviendra plus. C'est fait ? Allez, je regarde pas, je te laisse faire. Moi, je peux regarder. Ah bah, tu peux regarder. De toute manière, là, c'est pour la vidéo. Donc, bien évidemment, donc, si je te le fais noter, c'est parce que pour que tu puisses montrer ça, au fait, aux gens qui sont autour de toi également. Parce que forcément, si tu leur dirais, peut-être qu'on pourrait penser que j'écoute et que j'entends ce que tu dis. Non. Je prends le petit papier, voilà. Et je le mets dans ma poche. C'est clean ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Donc, du coup, tu as un prénom que je ne peux pas connaître. Et qui sera ta pensée d'aujourd'hui. D'accord ? C'est ça. Tu ranges le papier. Tout à fait. Maintenant, on va faire une deuxième petite expérience. Je peux me retourner ? Oui. Pour ça, on va faire une expérience de... Je dirais de... C'est une expérience de mentalisme, mais plutôt sensitive. Je vais t'expliquer. Pour ça, c'est très simple. Alors, j'ai ici un jeu de cartes. Et dans le jeu de cartes, je vais te demander... Alors, tu vas choisir une carte. Alors, bien sûr, c'est pas les jokers. D'ailleurs, je sais pas s'il y a les jokers... J'en ai qu'un seul, je pensais en avoir deux. Alors, l'idée est la suivante. Ce que tu vas faire, c'est très simple. Je te montre l'exemple. Hein. C'est, tu vas couper le jeu, où tu as envie, poser, prendre la carte, la retourner face en l'air, d'accord ? Donc, tu la retournes ici, et tu recomplètes la partie de façon à ce qu'on puisse pas voir. Alors quand tu recomplètes, égalise bien de façon à ce qu'on puisse pas voir en fait ta carte qui dépasse. Vraiment, ça serait ridicule. Alors j'espère juste que normalement je dois pas avoir d'autres jokers. Non. Ok, très bien. Allez, je te laisse faire ça. Donc rappelle-toi, tu coupes. Attends. Et avant de faire par la suite, une fois que tu auras fini tout ça, que tu auras bien égalisé, tu prends le jeu tel quel, d'accord? Et tu viens le glisser à l'intérieur des tuyaux. D'accord. Et bien sûr, tu refermes tout ça. Au moins, comme ça, on est clean. D'accord ? Ça marche. Allez, vas-y, je te laisse faire ça. Donc, moi, je suis retourné. Hein. Donc, tu coupes où tu as envie. Tu poses. La carte, tu la retournes, tu la mets sur le paquet. Oui. Face en l'air, donc. Et tu recomplètes le jeu. On est clean ? C'est bon. Est-ce que tu peux constater qu'on ne voit pas dans le jeu une information, quelque chose comme ça ? Non. De toute manière, je ne regarde pas, mais on pourrait penser, hein, peut-être. Et tu refermes tout ça. Je ne sais pas où tu veux en venir, mais tout ça me paraît impossible. Ah, c'est clean, hein ? Oui. C'est bon ? C'est bon. Ah, on ne voit pas à travers les tuyaux, tu peux tout regarder, examiner ? Non. C'est bon ? Tout est normal. Je peux récupérer le jeu ? Oui. Maintenant vient l'expérience mentale. Tu me fais peur. Au niveau sensitif. Oui. D'accord ? Regarde. Écoute. T'entends ? Oui. Ah, t'entends ce... Ça, c'est... Regarde, écoute. Ça, c'est... cette petite rythmique. Oui, c'est vrai, ouais. Et en fait, grâce à ça, je sais. Parce que tu vois, si tu avais coupé une carte de différents. Par exemple, en 20e ou en 10e, même chose, le bruit aurait été différent. C'est pas la même rythme. Ouais. Et là, en fait, je vois. Ouais, je vois. Effectivement, ça y est, j'ai entendu. Un truc. Enfin, deux trucs. Je pense connaître le nom de ta carte. Et en plus, au bruit, je pense savoir la position où t'as mis ta carte. Ah bon, en plus. Ouais. Ça, je te Et en plus, ce qui est fou, c'est que
vu cette rythmique un peu quand même assez... Ouais, ça, c'est un personnage que... Ouais, 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 c'est bizarre. Attends. Et d'ailleurs, je vais même te le dévoiler maintenant avant d'ouvrir. Je pense, hein. Un homme. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Un homme de cœur. Ouais, tout à fait. Qui se baladerait peut-être... en 24e position. Non. Un valet de cœur. Eh oui, oui, c'est ça, c'est un valet de cœur. En 24e position. On vérifie. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Incroyable, bravo. Ah, ça paraît vraiment impossible. Ça paraît impossible, mais tu sais comment j'ai su que c'était le valet de cœur en 24e position? Non, mais non, j'en ai aucune. Mais parce que moi aussi, j'ai un monsieur que j'aime bien, qui m'a dit à l'oreille... Qui m'a dit à l'oreille, en fait, exactement ta pensée que t'allais faire. Ah ouais. Et oui, et j'adore Charlie Chaplin. Alors là, bravo, parce que c'est vraiment incroyable. Bien ou bien? C'est excellent, franchement, c'est incroyable. Avec tous ces effets-là, ouais. Alors, ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Oui, parce que là, j'ai vraiment fait où je voulais. Tu te dis comment c'est possible? Le paquet est fermé. Je ne vois rien, le paquet est fermé. Je suis tourné. Ouais. Tu coupes où t'as envie. Ça fait trois révélations. Ça fait, oui, impossible. C'est ça. Et voilà. Bon, un truc que je fais jamais, ça c'est expérience mentale. Alors quand même, ça me fait mal au cœur. Ouais, mais je vais quand même montrer. Ça me fait mal au cœur. Mais on l'a vu. Mais ouais. Ça me fait mal au cœur, mais je te l'offre. Ah bah, merci, c'est gentil. Hein. Ah mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir et oh là là, c'est extra. Hein, voilà. Charlie Chaplin, ouais. Bien ou bien? Ah ben c'est vrai que c'est fantastique, franchement. Si on parle en tant que magicien c'est déjà. Hein. En oui, tant que magicien, il est bien. Très très bien. Parce qu'il y a plusieurs révélations, on ne sait même pas comment il a réussi. Ah non, aucune idée parce que c'est vraiment. C'est fort, hein? Ouais, c'est très fort. On a plein de routines. Bon, je sais que vous êtes fort déjà à la base. Non, mais depuis ce matin, on réfléchit à plein de routines. Ah, oui, oui. Donc celle-là, on l'a fait, mais on a plein d'autres façons de le faire. Donc on mettra tout ça dans. Ah, mais c'est fantastique, ouais, vraiment. Ah oui, Charlie Chaplin. Oui. Mais comment t'as su? Il a un pouvoir, ce monsieur aussi. Ouais. Voilà, voilà. C'est fantastique. Bravo.